Bonjour Alban. Alors, on fait ses emplettes? Comment ça s'est passé? Écoutez, c'est pas moi qui fais les emplettes, c'est son Altesse qui fait ses emplettes, c'est différent. Non, non, mais écoutez, c'est une très belle pouliche, on l'avait vue avant, la vente, et donc, cher Abdoulaye et cher Farad se sont associés pour l'acheter tous les deux. Voilà. Comment peut-on expliquer la présence de plus en plus marquante au mois d'octobre par rapport au marché d'août? Là, on voit que vous avez déjà commencé à acheter l'année dernière et là, de façon plus intense au mois d'octobre. Oui, je crois que d'abord, c'est un peu une politique. C'est que Cheikh Abdoullah aime bien acheter ses chevaux lui-même maintenant. Et c'est que vrai qu'au mois d'octobre, c'est plus facile. Il y a moins de monde, vous le voyez, du reste. Et puis, il y a moins de confrontations entre la famille. Et je pense que c'est un peu politique entre eux. Ils essayent de se faire, disons, chacun leur vente. Voilà. Et j'imagine que la victoire de Charm Spirit donne de l'enthousiasme. Ah bah bien sûr, Charm Spirit, ça a été pour Cheikh Abdoullah, c'est celui, je pense, de la famille Altani qui dépense le moins d'argent et qui a aujourd'hui a la meilleure réussite avec ce cheval-là. Disons, 3 groupes 1 cette année, c'est quand même fantastique. Merci Alban, et bravo pour vos achats.